allons, nous allons kiffer, pardon. Tu me demandes que je parte avec toi. Ouais. Donc maintenant tu me demandes que c'est lequel je parte avec toi. C'est le temps de me dire. Nous parlons comment pour connaître celui qui est le père. Je t'ai dit que tu te fais pas marcher avec elle. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça. Il dit qu'elle veut louer une chambre avec la piscine au milieu là, mais Joss encore qu'elle écoute sortir avec un autre Joe. Ben, elle va comprendre que Langa ne quitte pas le boy, c'est le boy qui quitte Langa. Moi, je vais gérer le retour de ça. Tu m'as fait une prostituée comme ça. Une fille qui a raté, qui a gâché sa vie. Ça veut dire que... Tu m'as fait ça? Non, ma. C'est ça? Non, ma. Hein? Plante le rapidement. Plante ça. Plante ça. Plante ça. Ferme le dos, hein. Oh, oh, gars, assez, hein? Tu go comme ça? Je sens que d'aller à la maison, j'étais avec Mylène. Ah, voilà. Justement, quand tu josses de Mylène, je voulais dire à tes assemblées que c'est toi qui choisis Manga. Tu go donner à un autre boy. Moi, si, je n'ai jamais donné un homme à Mylène. Jamais donné. Tout ce que je fais, c'est donner les conseils à Mylène. Je n'ai jamais donné un homme à Mylène. Ok. C'est pas toi qui as choisi Manga, tu vas donner à notre boy le Joe qui a le gros ventre là comme ça. Je vois bien comment tu as bien conseillé Mylène. Tu as bien conseillé, vois le résultat de ça, non? Mylène a maintenant le gros ventre, son gars aussi a le gros ventre. Ils vont se tenir comment avec les deux gros ventres? C'est de ma faute. Ça l'est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est pas toi qui joues 10 dans le carreau là. Et si Mylène est belle, c'est de ma faute. Si Mylène est belle, c'est de ma faute. Si Mylène a décidé de manger la banane sans peau, je fais comment? C'était ma faute, donc quand Mylène partait chez lui, je partais avec elle. Tu goyais avec elle? Mylène était avec lui pour les dons, non? Elle était avec lui pour l'argent, donc c'est maintenant de ma faute. Donc moi, je n'ai pas les dons qui est à Mylène. Mais les gars, s'ils veulent me prendre pour un Babylone, donc je suis là, quand carrefour, je saute les barrières, je casse les murs, je transporte même les maisons. Tu n'as comment été yabat? J'ai encore fait quoi? J'ai encore fait je quoi? Je meurs quoi dedans? Je meurs quoi dans ça? Tu meurs quoi? Tu meurs quoi quand je lance Manga? Tu vois que dans ce moment, vous appliquez vous tous là. Chou-moi d'abord ton ceci. Merde. Je parle, tu restes avec le C en main. Tu ne fais que me dire de quoi, et d'où quoi. Mais tu ne t'aimes. Merde. Ah, je vois la magie. Mylène est belle, c'est de ma faute. Passe comme ça, tu go. Et tu dis à l'angala que quand on va se dire, il va l'appliquer franchement. Mais. Assez un gars, Kim. Comment pour dans l'ondem? Tu prends un C qui a le GPS sur ça, tu veux que l'on y ait mon quota? Tu as ton C? Ne chope pas le genre de C là. Go! Et moi c'est las. Si tu ne choses pas les nouvelles qui étaient demandées de donner là, tu vas respecter le code là, il va te tamponner. Merde. Les gars me prennent même comme un Babylone. Je dépense les dos sur l'anga tous les jours. Je suis moi là, je tape les téléphones par ici, je tape par là, je vole même les chargeurs. Je go nyang, je kem chou les dos à l'anga, elle prend les dos, elle chop, elle go gil, elle lance un gros ventre comme ça là. Et les deux là vont me y aller. J'ai vu un SMS l'autre jour que tu m'as envoyé. J'ai lu le début. J'ai vu bonsoir, coucou, mes menstrues. Mon téléphone s'est fait. Salut quoi? Bonsoir, coucou, mes menstrues. La suite, je ne connais pas. Mon téléphone s'est fait une fois. Bon, je ne sais pas ce que le message disait. Je veux que tu m'expliques. Tu vas dire, ok. Bessien, moi, je suis qui pour toi? Qui m'a envoyé, mon ami?
petite amie, tout court, tout court. Tu es ma petite amie, tu veux m'en dire quoi ça? Tu m'estimes à quel point? Estimer, tu es la monnaie, on t'estime comment? Ok. Comment moi je peux t'envoyer un message? Tu ne lis que le début, le téléphone s'éteint, tu ne fais pas tout pour recharger le téléphone. Je dis, comme tu vois la sorcellerie là, jusqu'à présent le téléphone n'a pas démarré. C'est pour ça que j'ai appelé que bon, ce que tu as dit dans le message, viens m'expliquer que je comprends parce que j'ai lu que le début. Bonsoir, coucou, mes menstrues. Le reste, je ne connais pas. Les menstrues, on fait quoi? Les menstrues, donc tu veux dire que tu ne connais pas, tu ne peux pas imaginer la suite. Quand on parle de menstrues, tu ne peux pas imaginer la suite. Les menstrues, c'est quoi? C'est une bière, c'est quoi? Tu parles de quoi? C'est un cahier, c'est un gâteau, c'est quoi de menstrues? Mais ça ne joue pas ça, hein, moi. Ah bon. Toi, tu as les anciens diplômes, tu as l'ancien BPC. Moi, je n'ai même pas encore le BPC. Les menstrues, c'est quoi? Toi, tu as eu le CEPE. Moi, j'ai le CEP. Parce que là, maintenant, tu es en train de jouer aussi à l'ignorant. Les menstrues, c'est quoi? Oh, je ne vais pas avoir tourné autour du bois. Hein. Pour dire vrai, moi, je suis enceinte. Tu sais quoi? Je n'ai pas compris. Tu as parlé vite. Tu sais quoi? Ok. Je suis enceinte. C'est pour ça que tu voulais qu'on parle. Ça ne t'inquiète pas. Attends, qui t'a enceinte? Bon, tu sautais moi, donc quelqu'un allait t'enceinte. Vous allez me d'avoir mal partout, comme tu me vois là partout, on ne commence pas. Je t'ai envoyé le message pour rien. Bah, tu peux m'envoyer le message, je suis ton ami. Tu peux m'envoyer le message. Mon ami comment? Si j'ai un problème de grossesse, j'ai avec le père de l'enfant. Attends, qui est le père de l'enfant? Qui est le père de l'enfant? Qui est le père? Peut-être des parents ici, qui est le père de l'enfant? Qui est le père de l'enfant? Ah, les choses que j'entends souvent sur Facebook là. Qui est le père de l'enfant? Qui est le père de l'enfant? Oui. Vous savez, le père de l'enfant, c'est toi. C'est moi. C'est toi. Regarde, je vais te dire, si tu n'étais pas au courant, moi, on m'a diagnostiqué la faiblesse sexuelle. Tu sais ça? On m'a diagnostiqué la faiblesse sexuelle. Bon, je ne peux pas enceinter une femme. Non, il faut savoir que si tu prenais un traitement, c'est que ça a marché. Non, je n'ai pas pris le traitement. Non, c'est que ça, non. Je n'ai pas pris le traitement. C'est que moi, j'étais alors ton traitement. Non, je dis, je n'ai pas pris le traitement. Moi, j'étais alors ton traitement. Hey, qui dit quoi? C'est que moi, j'étais ton traitement. Dieu, depuis combien de fois? Un petit comme ça, tiens, avec Dieu. Dis-moi qu'il pose combien? 2 minutes. Vu que le temps que j'ai fermé la porte, j'étais à descendu. Tu viens encore me dire. J'étais qu'elle descendue, donc ce que tu fais là, c'est que. J'ai fermé la porte, je suis descendu, c'était fini. Tu viens encore me dire que. Mais ça, c'est la faiblesse sexuelle comme ça là, ce que vraiment. Non, non, c'est la faiblesse sexuelle. Mais quoi, c'est la faiblesse. C'est la faiblesse sexuelle. Mais c'est le genre que tu avais duré là, c'était la faiblesse sexuelle. Je n'ai rien duré. C'est la faiblesse sexuelle. Mais ça, bon, on ne commence pas. Hey, pardon, hey. Pardon. Tu vas me dire une grosse. Attends, t'es truc. Attends, tu connais ma situation, non? Ma mère vend le coq. Mon père est à la retraite. Je suis encore chez nous. Ma chambre même d'ailleurs, mon père dit qu'il va mettre le locataire dedans. Ça ne te dit rien. Tu viens encore me dire que brisant, je suis enceinte. Ok. Mais ça ne fait même pas appeler ma mère. Appelle ta mère. Je connais ma mère. Ne fait même pas l'appel dans l'histoire-ci. Parce qu'elle n'est même pas encore courant. C'est pas le truc que ta mère aboie, comme elle aboie par toi, ça coûte ta courte taille là. Dis, regarde, hein. Va chercher la personne qui t'a entendu, ce n'est pas moi. D'ailleurs que dans notre famille, on n'est pas fécond. Notre famille paternelle, les gens accouchent difficilement. La majorité, j'ai mon oncle qui a 50 ans, il n'a pas d'enfant. L'autre a 70 ans, il n'a pas d'enfant. Bon, moi, ça va me suivre, je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas t'enfanter. Elle a payé ton père qui a 8 enfants, elle a pris ça. C'est son problème, elle a pris le sang maternel. Nous, on a pris le sang paternel. Nous, on ne procrée pas. C'est comme ça. Nous, on ne procrée pas. Bon, du coup, enlève-moi ça sur le corps. Je ne peux pas et je ne connais pas enceinte, je ne peux même pas. D'ailleurs, même que c'était même une fausse idée. C'était même une mauvaise idée de sortir avec toi. C'est une mauvaise idée de sortir moi. Oui, c'est une mauvaise idée. Tu étais là, tu mangeais, tu étais fier. Non. Tu étais là, tu mangeais, tu étais fier. J'ai dit, j'étais mauvaise idée. Mais ça, tu m'as touché combien de fois? Ah bon, voilà, parlant de ça, ça me fait bien. Le jour qu'il y a eu une inondation au quartier, tu es venu chez moi. On a joué une fois. Une fois. Le jour qu'il y avait l'anniversaire des Blancs, j'étais dit, rentre chez vous, t'as dit que ta mère va te fouetter, que le portail est fermé. J'ai dit que viens d'or. J'ai même refusé. C'est toi qui as gratté mon dos la nuit. J'ai encore dit que bon, ok, on fait, on passe. Jusque là, c'est tout, il va aller deux fois. Non, quand il y a le jour où ta main n'est pas préparée, tu m'as appelé au matin que tu as faim. Il t'a dit que moi-même, je n'ai rien. Tu as dit que non, viens me donner ce que, tu as. Je suis venu que élan comme ça là. Attends, tu as mangé, tu as pris. Écoute. À midi, tu as encore dit que tu as faim, tu as pris. Monsieur, je le sens rentré chez nous à 2 heures. Je me rappelle, j'ai encore la cicatrice que ma main m'est fouettée ici là. Il faut bien te souvenir. Il faut arrêter. Peut-être vous restez souvent, vous voyez les gens dans les rêves. Moi, ce que je t'ai dit. Je me reconnais avoir joué avec toi deux fois. Même si c'est deux fois. Et dans les deux fois,
c'est à faible pourcentage, faible capacité. Oui, sauf que voilà. Ton chien était peut-être là, mais tu as marqué. Non, rien. Ouais, Boussan, tu as marqué. Boussan, arrête-le. Arrête-moi, tu connais Boussan, si tu as mangé, tu vas me dire mal à la tête de quoi? Pourquoi nous sommes ensemble, c'est bien maintenant quand... Moi-même, je peux pleurer, moi-même, je peux pleurer. Tout ce que tu dis là, c'est rien. Moi, je peux pleurer. Ça, c'est simple, regarde. Moi, oui. J'ai posé avec ma copine Blanche que tu connais. Blanche m'a dit qu'on peut souffler. Il faut quoi, le vent, l'aspirateur? Il faut quoi, le ventilateur? Elle a dit que par moi, quand on souffle en fonction de moi, oui. Donc par mois, c'est 50 000. Et comme je suis à 4 mois, il faut 50 000. Tu as quoi? Tu as 4 mois? Toi et moi, on est en relation, ça fait même pas 2 mois, tu as 4 mois de grossesse. Tu as vu ce que tu as dit, non? Mais si on est en relation, ça fait combien? Ça fait 2 mois, ça fait dans même pas 2 mois pleins. Ça atteint même pas 2 mois pleins. Tu as vu ce que tu as dit que non, il ne peut pas procréer, non? Tu as vu? Regarde, va chercher la personne qui t'a entendu. Si tu veux t'aider avec les conseils, je peux t'aider. Je peux t'aider avec les conseils, si tu veux. Moi, je n'ai pas de problème. Je sais comment faire pour sortir chez nous. Mon père, maintenant, je me suis chassé. Il m'a encore dit que c'est monté et descendu. Pardon, tu parles comme ça. Tu passes, il me voit, mais il va. Ok, donne-moi alors. Ok, donne-moi alors les 2 mois. Tu as dit qu'on a fait 2 mois ensemble. Donne-moi alors pour 2 mois. Les 2 autres mois, ils connaissent comment vivre. Attends, tu es SA, tu es le Brésil du Cameroun. Tu es la société, la société. Tu qu'on va faire l'actionnaire sur toi. Je n'ai pas. Tu as dit que tu as fait 2 mois avec moi. Donne-moi alors pour 2 mois. Il va chercher quelqu'un d'autre qui va gérer 2 mois. Ok. J'ai le chargeur qui était au carrefour, il vendait le fofo là. Il est décédé. On va creuser ta tombe, on est venu me voir. Je veux aller creuser. S'il plaît à Dieu, si le programme des obsèques est confirmé, je veux creuser la tombe, je veux voir ce que je vais te donner. Pour t'aider. Pour les bons temps qu'on a passé ensemble. Je pense que c'est bon. Le débat est clos. Mon père va bientôt sortir du bar, pardon, quitte. En attendant, le temps passe. Je fais quoi? Je dis à Dieu ma solution. Ça veut dire que tu vas maintenant me donner pour 3 mois. Va. Si le programme des obsèques est confirmé le week-end, je creuse la tombe et je te donne quelque chose. C'est tout. Quitte. Va. Boussan, je te jure. Hein? Je te jure que si je ne me donne pas l'argent là. Parce qu'on dit là, tu vois souvent ma mère fait seulement. Et tu vas voir ma mère le vrai. Je dis que tu vas voir la vraie face de maman de là. Je te dis seulement. Ou c'est ta mère ou ce n'est pas ta mère. Tu es brune. Elle est brune. Tu es noire. Qui sait même si c'est ta mère? Je dois dormir depuis. Et t'es enceinte. T'es enceinte. Non, ne poquez pas dans notre famille, ne poquez pas. Tu vas dire, tu vas chier dans tes voitures, on va dire que. Non, ouais, je te dis que laisse, je ne suis pas un enfant. Je vais le faire brûler. D'accord. Comme il s'est attaqué sur mon terrain, on va voir.